Désolé pour les petits problèmes de connectivité, hein, l'informatique c'est compliqué, j'arrive pas très bien. Donc, le talk que je vais faire aujourd'hui, ça va être Emperor Six Came Forth. Et non, c'est pas une référence au langage historique, parce qu'on me l'a demandé. Donc, de quoi je vais parler? Je vais parler de comment est-ce qu'on peut en arriver, en 2014, à intégrer la communauté Perl, et pour moi, à intégrer la communauté Perl 6. Parce que, on peut le voir dans la salle, il n'y a pas exactement beaucoup de genoux qui font du Node.js. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et la majorité de la communauté, c'est des utilisateurs de longue date et qui sont là depuis au moins Perl 5.8. Donc, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à commencer Perl maintenant en 2014? Est-ce que c'est donc la vibrante communauté de Perl, absolument formidable, hein, vous pouvez vous applaudir. Est-ce que c'est la destinée? Tout grand hacker finit un jour par arriver à Perl, ce qui signifierait que je suis un grand hacker, donc c'est pas tellement possible. Ou est-ce que c'est juste le hasard qui fait qu'on voit de la lumière et qu'on se dit bah ça a l'air sympa, je vais rentrer. Hein? Je pense qu'on peut réutiliser le There is more than one pour dire il y a plus d'une façon d'arriver à Perl. Je vais aussi faire un petit parallèle pour dire comment est-ce qu'on peut en arriver à faire un talk sur Perl alors que ça fait 4 ou 5 mois qu'on en fait? Eh ben, c'est simple, il suffit d'avoir un tyran comme Stéphane Pariard hein, ou Cognominal qui vous force 2 jours avant la conférence à faire un talk et voilà, vous vous retrouvez obligé de le faire. Bon. Donc, on va commencer par parler de ce qui est Perl dans l'esprit des gens. Comment est-ce que les gens en 2014 donc voient Perl? En 2014, la communauté de Perl, c'est une communauté qui est relativement peu représentée dans l'open source. On pourrait encore une fois faire le parallèle en disant que l'open source maintenant c'est les hipsters qui utilisent Node.js, et je reviendrai là-dessus plus tard parce que c'est mon cas. Mais voilà. Donc, comment est-ce que c'est pour la communauté? Il y a une phrase. Alors, ça c'est bien. Je ne vois pas exactement ce qui est marqué. Bon, c'est pas grave. Si vous aimez, non, donc vous pouvez mettre une technologie, un langage, un framework ou un nom de nourriture si ça vous amuse. Donc si vous aimez quelque chose, faites quelque chose d'incroyable avec, afin que les gens ne puissent plus s'en passer et que l'écosystème démarre. Donc voilà, c'est simple à dire, hein, mais encore une fois, est-ce que c'est fait souvent pour créer une communauté? Parce que c'est ça qu'une communauté a besoin pour vivre, c'est de projets faits avec. Et de gens disant voilà, moi j'ai fait ça avec, et je suis sûr que il y a plein de gens qui disent que Node.js c'est une super solution quand ils voient que PayPal et je sais pas quoi réécrit tout leur stack en 3 jours et en 700 fois moins de lignes de code, c'est super. Hein. Bon, est-ce que c'est ça? Mais la question c'est surtout parce que les nouveaux utilisateurs vont certainement venir d'endroits non techniques, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui vont apprendre à programmer avec Perl, mais il y aura quand même une bonne majorité, enfin j'espère, de gens qui vont arriver d'autres communautés et qui vont donc se convertir, même si ça fait un petit peu religieux, à Perl. Alors, un point de vue qui est très répandu, c'est que Perl est un langage du passé. Et je suis sûr que parmi certains d'entre vous ici, ça sonne correct, même si il n'y a pas forcément de raison. Donc, en revenant sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement, peu de choses innovantes et qu'on va voir passer par exemple sur Hacker News ou sur des sites comme ça, qui sont faites avec Perl. Ça arrive encore. Et il y a des fois où en regardant un outil, c'est ce qu'on a entendu la présentation d'avant, en regardant un outil, on se aperçoit que c'est avec Perl et on est très heureux. Les tendances changent vite. Les tendances changent vite parce que les choses brillantes ne restent pas forcément brillantes très longtemps. En ce moment, ça peut être le JavaScript. J'aime beaucoup me moquer du JavaScript, mais j'en fais beaucoup. Qui est un peu la coqueluche. Et comme je le dis, j'en viens, donc je ne peux pas vraiment critiquer. Et beaucoup de gens maintenant, qui ont commencé l'informatique comme moi, parce que je suis un petit jauneau quand même, ne connaissent Perl majoritairement que par le golfing. C'est un bout de code que j'ai trouvé en tapant Perl code golfing. J'ai pas la moindre idée de ce que ça fait, mais ça avait l'air bien. Alors, au lieu que j'essaye de le dépiauter. Alors. Ça va plutôt être un exercice pour l'audience. C'est 55 caractères. Il y a moyen de le faire passer à 53 caractères. Donc, bonne chance à vous. On se revoit à la fin du talk si jamais vous avez réussi à le golfer encore un peu plus. Donc, ça, ce serait plutôt pour les mauvais côtés de Perl et pour l'image un peu legacy
que Strand Perle. Mais tout n'est pas si noir, tout n'est pas si grave. Les gens voient passer les nouvelles versions de Perle. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on revoit passer de nouvelles versions de Perle, qu'on entend parler plutôt, que c'est plus aussi limité dans le cercle d'initiés, et ça m'est déjà arrivé ces dernières années de tomber sur des articles qui parlaient des nouvelles versions, etc. En général, après avoir 15 onglets ouverts qui m'expliquaient comment le smart matching avec Given plus When marchait, j'ai abandonné, mais on en voit passer. Oui, on a parlé du smart matching d'un temps, c'est un peu comme tirer sur un lance, mais c'est pas grave. Les gens sont parfois au courant de l'attente de Perle 6. C'est relativement rare, parce que c'est pas forcément les versions, etc. C'est vu comme dans beaucoup de langages, c'est juste un numéro de version. Donc si jamais ça prend du retard, ça prend du retard. Et les gens sont pas forcément au courant. Le peu de gens qui savent que Perle 6 est quelque chose d'attendu depuis quelques temps connaissent en général aussi l'histoire de Python 2 et 3, qui, je le rappelle, est aussi vieille que l'histoire de Perle 6. Et il y a 10 ans de long-term support qui ont été rajoutés à Python 2, donc ils ne sont pas encore sortis de leur bourbier. Je ne dis pas que nous, on en est sortis, mais eux non plus. Et Python est quand même un peu plus utilisé dans les communautés scientifiques, dans les écoles, etc. Donc on en parle un peu plus. Donc c'est bien, on peut s'en moquer publiquement. Alors que Perle, au final, un peu moins. Non, faut pas faire ça, c'est pas gentil. Alors... Si jamais quelqu'un veut critiquer PHP, je suis avec lui, mais je pense que ça a été fait suffisamment au fil des années pour que maintenant ce soit juste du bullying, et c'est pas très très gentil de se moquer des handicapés. Ce qui nous ramène au point principal. Alors que on voit une tendance en ce moment à compiler à peu près tout en JavaScript, c'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, Stéphane en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui compilent en JavaScript, certainement trop de choses qui compilent en JavaScript. Je pourrais vous sortir une liste complète qu'il y a sur un wiki avec la dizaine de compilateurs de Python à JavaScript. Il doit y en avoir 5 pour Ruby, il y en a une dizaine pour Java aussi, etc. etc. Bref, presque tous les langages ont maintenant ce genre de truc, et c'est un petit peu, pour certains... Comment dire, ça les fait un petit peu renaître, c'est-à-dire que ça rapporte de l'intérêt qui avait parfois été perdu par la communauté et qui ramène à nouveau des utilisateurs, parce que ça ouvre la porte à beaucoup beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'on a dans la communauté Perle? Alors, moi, je ne fais pas de Perle 5, hein, comme j'ai dit code tout à l'heure, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça fait, je ne peux pas forcément savoir, je pense. Ma sanité. Donc, pour Perle 6, on a Racudo.js, qui est un projet initié par Pemurias, sachant que, comme Racudo, ou Racudo, je ne sais pas comment on prononce, a déjà 3 backends, donc MoreVM, Parrot et la JVM, on pourrait se dire que l'infrastructure est assez stable pour pouvoir commencer à faire un backend JavaScript, et effectivement, elle est assez stable. Faut juste y arriver, get around to it, pour ceux qui comprendront la blague, c'est pas grave. Et... Il y a Perlito, pour Perle 5 et Perle 6, qui est un projet par FGlog, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est beaucoup plus avancé, mais surtout au niveau de Perle 5, vu que le support de Perle 6 n'a plus été maintenu depuis 2011-2012. Je tiens à donner une précision, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait en avoir un, et à la fin du talk, je ne vais pas vous dire, mais moi je l'ai fait, parce que clairement pas, je pourrais pas. Donc, c'est certainement quelque chose de très compliqué, mais c'est certainement quelque chose qui plairait à beaucoup de gens, et qui peut-être redonnerait un peu de fraîcheur à la communauté. C'est panjs.org, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse? Parce que bon, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui serait prêt à tirer sur le JavaScript, moi aussi, même si j'en fais beaucoup, mais moi ça m'intéresse particulièrement parce que c'est là d'où je viens. C'est la communauté, principalement ce que je fais en matière d'open source. Je travaille sur un langage qui s'appelle CoffeeScript, qui s'inspire beaucoup de Python, avec la syntaxe d'annotation, de Ruby pour les classes, etc., etc., mais qui reste sémantiquement, vous ne voyez pas, mais la phrase c'est sémantiquement près du JS. C'est-à-dire que ça reste toujours avec des sémantiques simples, et ça se veut être facilement compréhensible pour quelqu'un qui connaît le JS, et donc un petit peu être du sucre syntaxique pour le JavaScript. Il y a eu un fork qui a été forqué, ce fork s'appelle Coco, qui a été créé par un perliste, on ne se moque pas du nom, c'est pas gentil, et un grand amateur de Perle 6, on va vraiment pas, je sais pas si...
Et je pense que si jamais je montre ce genre de code, on comprend à peu près le genre de choses que ça volait à Perl 6. Donc, bon, inférieur, 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 bon, voilà, je sais pas exactement. Bon, je sais ce que ça fait, mais est-ce que c'est vraiment important? Moi, je vois un petit peu le côté Perl là-dedans, le côté un petit peu line noise. Ça ne veut pas dire que vous devez écrire votre code comme ça, et je ne serai certainement pas le premier à vous recommander de faire ça si jamais vous voulez avoir du code maintenable dans 3 ans. Et qui a été reforké, parce que c'est définitivement marrant d'avoir des arborescences plus compliquées que des arbres familiaux, par un Haskeller cette fois-ci. Donc là, on part totalement à l'opposé, ça n'a absolument rien à voir, qui s'appelle LiveScript, sur lequel je travaille aussi, parce que je sais pas, je dois être suicidaire à vouloir faire autant de JS, mais bon, c'est comme ça. Donc on arrive à un langage très très mixte, qui est donc composé de Ruby, de Python, de Haskell, de F-Sharp et de Perl. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup de fonctionnalités pour les gens, sachant que je suis sûr que vous n'utilisez déjà pas toutes les fonctionnalités de votre langage principal. Si jamais on vous dit d'utiliser les fonctionnalités de 5 langages, je suis pas sûr que vous en utilisiez une bonne partie. Et donc, de là, comment est-ce qu'on en arrive à Perl? On a un espèce de melting pot chimère de langage. Et à force de travailler sur un langage possédant autant de constructions, on finit par se demander, quand on voit des features, quand on voit leur construction et quand on voit comment elles s'intègrent dans un langage, parce que c'est bien d'avoir une feature de Ruby et une feature de Python, mais si jamais elles sont absolument pas utilisables ensemble, ça va juste faire un truc crade qu'on n'a pas envie d'utiliser. Et le Perl était le seul langage que je connaissais pas à ce moment-là. Et en fouillant un peu la feature liée, c'était en essayant de voir pourquoi ça marchait comme ça et d'où venaient les idées donc qui avaient été ajoutées à Coco, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités et de très bonnes idées hein, qui venaient de Perl 6 et de Perl 5. Il y en a beaucoup qui viennent de Perl 5 aussi. Je suis allé sur Perl 6 directement. Mais il y a, je pourrais pas dire la parité, mais il doit y avoir oui, il y a autant des deux. Donc, en voyant ça, et n'ayant pas la moindre idée de ce qui se passe dans la communauté Perl, à part qu'il y a des sorciers fous dedans, mais c'est très bien, hein, j'ai décidé donc de commencer et de m'intéresser un petit peu aux petits de la famille, ou comme certains l'appellent, au Duck Nukem Forever de langage. Duck Nukem Forever, c'est un jeu qui a mis 15 ans à arriver. Et qui était même pas bon, mais j'espère que ce sera bien sûr différent avec Perl 6. Et donc c'est un peu vu comme ça parce que ça a mis du temps, mais ça veut pas dire que ce sera pas d'autant mieux derrière. Donc maintenant que je connais un petit peu le langage, que j'écris plusieurs trucs comme ça, et j'ai du code en production qui tourne en Perl 6, je me rends compte que la question qu'on voit souvent passer dans la communauté de la part d'anciens utilisateurs de Perl, etc., c'est est-ce que Perl 6 est donc prêt pour la production, etc. Mais je peux vous assurer que quand on commence un langage qui met autant de choses dans votre assiette, la question c'est pas est-ce que c'est prêt pour la production, c'est qu'est-ce que ça fait crochet, backslash, ampersand, crochet. Je pense que je sais, mais bon. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'introduire et pour arriver dans le langage? Donc, première recherche, bien évidemment, je tombe sur perl6.org. Et là, ma première réaction, c'est ça sent le site en perles. Pourquoi? Parce que c'est un site avec des tables, pas forcément très classe, avec des couleurs très simples. Et donc, qui me fait effectivement un petit peu penser au design très simple, encore une fois, encore qu'on maintenant CPAN, etc. Donc, des designs fonctionnels, mais pas forcément très accueillants. J'ai entendu moche par là-bas. Je suis politiquement correct et je ne lancerai pas de flame war. Mais bon, c'est pas formidable. Donc, c'est pas très important au final. Et un, deux. Là, c'est plus un problème de pile, là. Alors, les micros sont possédés. C'est un problème, mais on va finir la conférence avec. C'est pas grave. Ouais, parce qu'il marche bien le micro. C'est moi qui suis possédé, alors je vous conseille de fuir tant qu'il est encore temps. Donc, on clique sur le bouton documentation et on se rend compte que, avant que je parle de la documentation, il y a très très peu de matériel pour débutants. Il y a très très peu de matériel pour commencer à s'intéresser à Perl 6.
surtout quand on vient pas de Perl 5. Il y a plusieurs articles pour faire de Perl 5 à Perl 6. Lise en a parlé, a donné un lien. Ça a même été traduit dans plusieurs langages, en chinois, etc., etc. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait de Perl, c'était vraiment l'inconnu même. Et heureusement, ma bouée de sauvetage pour mon apprentissage de Perl 6, ça a été le calendrier de l'Avent Perl, qui a été commencé en 2009. Même si jamais vous voulez le lire, je vous conseille de vous arrêter, enfin, pour avoir une vraie idée, vous allez certainement vous arrêter en 2011 ou 2010, parce que avant, le compilateur Rakudo qui était utilisé n'était pas encore assez avancé pour vraiment avoir des trucs cool. Donc vous avez certainement pu voir beaucoup d'exemples de code, pas voir beaucoup d'exemples de code en 2009 ou 2010. Mais c'est là, et c'est une mine d'or, très franchement. Qui vous permettra d'apprendre le langage à peu près sous n'importe quelle couture. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit, enfin, quel que soit le secteur de la programmation dont vous veniez, vous aurez une introduction et il y aura des choses qui vous parleront. J'ai envoyé des liens à des Haskellers, j'ai envoyé des liens à des développeurs C++, j'ai envoyé des liens à des Javaïstes et, qui me regardent certainement maintenant. Et ouais, je suis toujours possédé. En sachant à chaque fois qu'il y aura une part du langage qui les intéressera. Donc, l'idée un petit peu, c'est que Perl est beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a des choses qui font fonctionnel, il y a des choses qui font mettre objet, il y a des choses qui sont faites pour les one-liners qu'on veut taper dans sa console pour parser du texte, etc. Et c'est vraiment pour tous les goûts. Et donc, pourquoi ne pas en profiter pour faire découvrir ces trucs de hipster, parce que j'y tiens, aux autres? Pourquoi ne pas en profiter pour avoir chacun un bout de langage qui s'y intéresse et ensuite commencer à découvrir le reste, hein. C'est pas pour juste utiliser les trois features qui font objet, etc. Et pourquoi ne pas utiliser les exemples que les gens aiment pour introduire les gens au langage? Donc, bon, j'ai plus trop de temps, mais je vais pas trop passer là-dessus, puisqu'il y a eu au final des présentations de ce que ça faisait. Ça, c'est des exemples que j'ai pris du calendrier de l'Avent. Certains que j'ai un peu simplifié, mais c'est juste comme ça. On peut voir les jonctions. Donc voilà, moi je suis content en 2014 de pouvoir faire if 1 égale 2 ou 3, parce que quand les gens me demandent pourquoi est-ce que je peux faire ça, ou quand les gens me demandent pourquoi est-ce que je dois faire for var i égale 1, i inférieur à 3, i++ pour parser dans un tableau, je me sens un peu triste, et je me dis qu'en 2014, on devrait avoir des meilleures constructions de ça. Donc, il y a beaucoup de choses en Perl 6 qui me font dire que on est en 2014. Marty McFly arrive l'année prochaine, et même si on n'a pas de hoverboard, on a quand même 2-3 trucs à lui montrer plutôt cool. Donc voilà. Moi, ce que j'utilise Perl 6 en production pour majoritairement pour des scripts shell, parce que, comme vous pouvez le voir avec les multiméthodes, il faut savoir que ici j'ai Fibonacci 0, Fibonacci de 1, mais je pourrais très bien le faire avec des strings, et que du coup, sachant que si jamais j'ai une méthode main, et que je crée une méthode main qui prendra comme premier argument add, une deuxième méthode qui prendra comme argument remove, le parseur d'arguments est parfaitement capable de m'appeler la bonne fonction et est aussi parfaitement capable de me générer un --help. Il y a aussi un support des arguments nommés, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Et j'ai réécrit des scripts qui étaient en PHP, parce que c'était la seule chose pour laquelle j'utilisais PHP, des petits scripts d'assez de 3 lignes, pour utiliser... J'ai dit que je connaissais pas Perl, hein, me frappez pas s'il vous plaît. Et donc j'ai tout réécrit en Perl 6, parce que c'est très très élégant, et ça permet vraiment d'avoir du code propre avec ça. D'autres trucs sympas, c'est les séquences. C'est marrant parce que, à présenter ça aux gens, parce que tu montres l'exemple de base, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 17, et les gens font « ouais, bon, ok, et est-ce que tu peux faire des trucs un peu plus marrants ?» Bah oui, tu peux faire des trucs un peu plus marrants, tu peux faire 1, 2, 4 jusqu'à 32, mais est-ce que ça, jusqu'où est-ce que ça va? La réponse est sur mon écran, mais pas sur vos slides. Et la réponse, c'était comment écrire Fibonacci juste comme ça, en une ligne. C'est plutôt marrant. Donc, il y a beaucoup, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je suis au dernier. Ouais. Tu vois.
Tu peux me croire, je suis gentil. Donc voilà, donc oui, c'est la fin. Donc très vite, ce que je présente aussi, c'est la façon de déclarer des opérateurs comme ça. Je montre comment parser du JSON avec le module JSON Tiny, qui fait 30 lignes. Essayez de vous demander dans votre langage combien de lignes il faut pour parser JSON Tiny. Les listes de paramètres avec l'extraction qui vous ont déjà été présentées par Stéphane. Et comme je l'ai dit, Perl 6 et Many Things to Many People. N'hésitez pas à parcourir, je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui vous intéressera. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À nous de jouer, à nous de faire un petit peu parler de ça, à nous d'envoyer des liens aux gens en sachant leur centre d'intérêt, etc. Pour avoir une communauté un maximum diverse. Si vous avez des questions. Il marche bien. Ah bah apparemment je suis aussi possédé. Donc oui, ma question c'est, tu as dit que tu avais du code de Perl 6 qui était en production. J'aimerais bien pouvoir le répéter à d'autres gens, mais j'aimerais pouvoir leur dire qu'est-ce que c'est ce code. Alors, le seul script que j'ai mis en open source, c'est un script qui me permet de générer un history.markdown à partir d'un history git. En gros, le script va prendre l'historique git, va prendre tous les tags et va afficher la liste des commits, donc le hash plus le commit message après, pour donc avoir un historique auto-généré de tous les avancements qui ont été faits dans le projet. C'est aussi une motivation pour éviter de committer des trucs avec comme message. Voilà. Sinon, ça se verra dans votre history.md, ce sera pas très beau. Donc ça, et le reste, ça peut être du déploiement, de la configuration, etc. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance avec le micro ? Non ? Bien, merci.